Bonjour les cancers. L'atmosphère est quelque peu mitigée selon votre date de naissance. La semaine sera plus ou moins gratifiante. Née au second décan comme Sarah Vergara par exemple, gare aux imprévus susceptibles de survenir via un proche ou un associé d'ici le week-end surtout. Mercure complique vos échanges au travail ou vos démarches si vous appartenez aux deux premiers décans. Par ailleurs, certaines d'entre vous du second décan bénéficieront d'une petite prime bienvenue en cette période des fêtes. Jupiter vous aide à prospérer au travail ou lors de vos recherches d'emploi si vous êtes de la fin du signe. Comptez sur Vénus pour vous donner un charme fou natif du second décan. Son passage en scorpion provoquera certainement un coup de cœur. Une relation pas forcément officielle pourrait voir le jour d'ici jeudi ou vendredi. Né ensuite, un grand bonheur est tout proche, tout comme un éventuel mariage. Avec Mars dissonante, tout est possible. Fièvre, blessure, surmenage, impulsivité, mal contrôlée, etc. En bref, évitez toute prise de risque en ce moment. Si vous êtes du second décan, c'est vous qui êtes sur la sellette cette semaine et dimanche surtout. Le courant passera bien avec les Vierges et les Scorpions, beaucoup moins bien avec les Balances et les Capricornes. Passez une très bonne semaine.